Coucou tout le monde. Petite vidéo du jour, je n'avais pas encore prévu, mais je suis tombée sur la vidéo ce matin de la chaîne Luna Scrap qui donne ses 10 chaînes qu'elle regarde le plus, qu'elle préfère. Il y en a plein d'autres, mais il faut m'en donner 10. Bon, moi je vais le faire parce que je faisais partie de la liste de ces 10 chaînes préférées. Merci à toi encore. Merci beaucoup à toi, Luna. Et je vais faire aussi cette petite vidéo et vous donner mes 10 chaînes. Pas que je préfère, mais je regarde le plus. Parce que j'en garde un et j'ai beaucoup de chaînes. Et j'en ai plus que 10. Donc je regarde, j'ai sorti mes abonnements. Donc il y en aura peut-être un petit peu plus de 10. Mais si ça vous plaît, je vous invite à le faire. Ça peut aider aussi les vues de chaîne. En tout cas, je te remercie beaucoup Luna d'avoir fait appui en quelque sorte de ma chaîne. Et j'essaye de varier un petit peu tous les univers que j'aime. J'en ai beaucoup malheureusement, mais je m'éparpille un petit peu. En tout cas, on va commencer cette vidéo. Donc c'est pas dans l'ordre que je le préfère, mais je vous donne, moi j'en ai beaucoup, je vous donne dans l'ordre qu'elles apparaissent sur mon téléphone. Donc la première chaîne, ce serait mes envies créatives. J'avoue que je la suis depuis pas très longtemps. Tant en temps avant, je la suivais sans être abonnée. Et là, je me suis abonnée il y a un petit moment déjà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait des tutos super faciles. Et je sais pas, c'est une personne qui, quand elle parle, on est scotché. Franchement, j'adore beaucoup mes envies créatives. Ensuite, nous avons la chaîne, bien sûr, de Iluna Scrap. Bien sûr, et pas parce qu'elle a fait la pub que j'aime bien, mais je la suivais déjà avant. Et j'ai fait plusieurs échanges avec elle. Et j'aime beaucoup, c'est très varié. Et elle a une voix super sympa. Merci à toi encore. Ensuite, on a Camille Scrap, que je suis aussi depuis un petit moment, mais je ne m'étais pas abonnée parce que j'ai beaucoup de chaînes et on ne peut pas s'abonner à toutes. J'avoue que ces tutos, ils sont super, super. J'adore. Franchement, j'adore. Là, il y a 2-3 vidéos là, que je suis ces derniers jours où je veux faire ces tutos dès que j'aurai le temps. Enfin, ses créations. Notamment, il y a un attestant, la forme d'un ATC. Dessus, on met comme les timbres postes, celui-là, avec le timbre. Et franchement, je trouve que c'est super sympa. Et ce matin, elle a fait un petit album avec un 2x33. Il y a pas mal de choses que j'ai envie d'essayer. Donc j'aime beaucoup aussi Camille Scrap. Ensuite, que je mettrai dans ma... Enfin, je peux pas tous vous les donner, mais il y en a beaucoup. Mais pour en choisir après 10, bien sûr, c'est la chaîne de Kat. Donc Kat, vous la connaissez toutes. Hein. Elle est formidable, j'adore. Elle a un front parmi qui est que moi j'adhère totalement. Elle fait pas mal de vidéos de récup, de présentation. Elle a une philosophie de la vie que j'adhère totalement. Et moi j'adore Kat. Je la suis depuis très longtemps. Et j'avoue que quand elle fait des vidéos, c'est la première que je regarde. Enfin, une des premières. Donc Kat, merci à toi. Ensuite,
Attendez, j'ai pas compté. On est à... à 3. On est à 4. Je regarde, il y en a tellement que ça va être dur d'en mettre que 10. Ensuite, nous avons la chaîne de Candia Scrap. J'aime beaucoup aussi Peggy. Si je me trompe pas, c'est Peggy. Comment dire? Elle fait des tutos, moi, qui sont accessibles à tous. Franchement, j'ai fait des. Elle a participé à plusieurs échanges, plusieurs défis que j'ai fait sur la chaîne. J'avoue que Candiane, elle est géniale. Elle a des tutos super faciles. C'est très varié sa chaîne. J'aime beaucoup. Toutes les chaînes que je vous parle, je vous conseille d'aller les voir. Ensuite, nous avons la chaîne de notre GG BNM National. J'aime beaucoup GG. Elle est adorable. Elle est rigolote. Elle fait des vidéos, franchement, trop bien. Là, la nouvelle idée en live, de partager les astuces, il les partage. Franchement, j'adore. J'adore son idée, je trouve ça. Moi, je regarde si le facteur s'arrêtait. Elle a franchement des idées de dingue. Et j'ai déjà fait des échanges avec elle. Et j'avoue que c'est magnifique. Elle est très douée. Contrairement à ce qu'elle dit, elle est douée. Hein, Gégé, tu es douée. Je te le dis. Ensuite, nous avons la chaîne. Alors là, cette chaîne-là, ça va être sans surprise, vous savez que j'adore. C'est la chaîne de Scrap Sweet Betty, qui n'est pas en super forme ces temps-ci. Elle travaille beaucoup, beaucoup, mais franchement, elle a une simplicité, une honnêteté que certaines ne reconnaissent pas. C'est chacun qui voit. Mais moi, je la suis depuis pratiquement ses débuts. Et j'adore Betty. Elle est adorable. Elle est franchement, elle est le cœur sur la main. Et si vous avez ne serait-ce que 2 minutes, allez voir sa chaîne. En ces temps-ci, elle ne pose pas énorme. Je vous dis, elle est dans une phase où elle ne sait pas si elle va garder sa chaîne ou pas. Donc Betty, j'espère que tu garderas ta chaîne. Et je vous conseille d'aller la voir. Elle est géniale. Moi, j'adore. C'est mon coup de cœur avec 4 en chaîne. Ensuite, nous avons la chaîne de la famille T-Rex Family. Pareil, vous êtes sans surprise que vous savez que j'adore leurs vidéos. Ils font des hauls, ils font des retours de cours, des recettes, des lives toutes les semaines. Franchement, j'adore. C'est une famille qui mérite d'être reconnue à sa juste valeur. Et franchement, je vous conseille d'aller les voir. Ils sont sans chichi, honnêtes, quand ils ont merde à dire, ils le disent. Et ils ont tout à fait raison. Et franchement, allez les voir. Ensuite, nous avons notre chaîne. De Chris Color, que vous connaissez aussi sûrement. Donc ces temps-ci, elle n'est pas très présente parce qu'elle a beaucoup de boulot, c'est pareil. YouTube, c'est logiquement, ça devrait être un partage. Ça ne devrait pas être une plateforme où on se tape dessus, on se renvoie voler, on écrase les autres. Je trouve ça dommage que YouTube soit arrivé à ce point. Malheureusement, il y a des bons et des mauvais, comme partout. Donc, je vous disais, Chris Color, elle fait une chaîne de scrap et de coréen. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Je la suis depuis le début, pratiquement, aussi.
Ce sera aussi dans mon top 3, on va dire. Et franchement, j'adore. Elle fait des trucs de dingue. Elle fait énormément de concours et je sais pas comment elle fait d'ailleurs. Faire tout à côté. Mais franchement, Chris, j'ai hâte que tu reviennes. Ensuite, nous avons. Alors, bref, à 8, je sais plus où je suis. On a la chaîne qui n'a rien à voir avec le scrap ou le coréage ou autre loisir créatif. C'est la Family Cost. Donc, c'est une famille qui a décidé de quitter sa vie qu'elle avait à l'époque. Donc, ça fait déjà au moins 3 ans, je crois. Et ils vivent beau. Bah là, en ce moment, ils sont en Amérique du Sud. Ils nous font partager leur vie de tous les jours. Ils font pas de tuto ou de scrap ou autre. C'est leur vie personnelle. Ils nous ont. Comment dire? Pas facile à expliquer parce que c'est assez particulier. Je vous conseille d'aller voir, ne serait-ce qu'ils font. Moi j'adore, je rate pas une seule de leurs vidéos. C'est la chaîne Family Cost. Ensuite, il y a la dernière, on va dire, logiquement. Il y a la chaîne de Pamela 5 à la maison que j'adore beaucoup. Elle est simple, elle est honnête, elle est sans chichi. Elle est comme elle est dans la vie tous les jours et franchement, j'adore Pamela. Elle a quand même tout quitté pour aller voir une autre vie. Pour ceux qui la suivent, vous savez qu'elle a eu des problèmes à l'école avec ses enfants. Et franchement, Pamela, je te souhaite bon courage pour la suite. Surtout pour ton mari, avec son accident, j'espère que ça va aller mieux. Et on est tout cœur avec toi. Merci à toi en tout cas pour tes vidéos. Et je vous conseille aussi d'aller la voir. Donc logiquement, on est à 10. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Parce que c'est dur d'en mettre que 10 quand on a plus que ça. J'aimerais aussi souligner la chaîne de Sandy. Une Sandy qu'on ne voit plus pour l'instant, elle est avec son nouveau travail très très occupée. Mais franchement, j'adore. Elle habite pas très loin. Elle a 1h30 chez moi, c'est pareil. Et un jour, on espère se rencontrer. Et franchement, c'est une petite femme, un petit bout de femme qui est adorable. Elle n'a pas une vie facile non plus. Et franchement, je vous. Même si elle ne fait plus de vidéos depuis un petit moment, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle a des super vidéos. Et elle est souriante. Quand ça ne va pas, elle le dit aussi. Elle est naturelle comme elle est dans la vraie vie. Donc voilà, c'était le 10, 11. Désolé. 11 chaînes. Pas que je préfère, mais que je regarde de plus. J'espère n'avoir oublié personne. Donc, il y a beaucoup de chaînes qu'on suit. J'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup plus de chaînes de coloriage. J'avoue que les grosses chaînes, les grandes chaînes que je regardais avant, il y en a quelques-unes qui m'ont déçu. Énormément déçu, mais c'est ça, YouTube, c'est un monde où, virtuel, comme on dit. Où heureusement, on arrive à faire des belles rencontres. Et heureusement, parce que sinon, ce serait triste. Donc voilà, c'était les 10 chaînes, 11, pardon, que je regarde le plus, pas que je préfère. Je vais en avoir 2, je crois, pas de chaîne. Mais il y a ces 11 là que je regarde le plus. Et franchement, j'attends avec impatience les vidéos le matin. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Mais 11. On met 10 plus 1. Non, je mettrai 10 chaînes préférées
que je regarde le plus dans le disque. Et moi, je souhaite une bonne fin de journée. Ce week-end, ça va être scrap à fond parce que j'ai mes deux échanges. Pas deux échanges. Mes deux défis à faire, notamment la carte pochette et la carte à explosion. Et concernant le défi tag, un tag dans un tag que les filles avaient dit qu'elles voulaient participer, dépêchez-vous, il est presque fin du mois. J'espère avoir vos nouvelles très rapidement, sinon ben, malheureusement le défi sera annulé puisque les personnes qui sont inscrites n'ont pas envoyé leur participation. Donc j'espère que vous serez votre pauvre tard. Je rigole. Tout sur nous, ne vous inquiétez pas. On a tous des impératifs. C'est juste que ce serait plus sympa de prévenir si vous pouvez plus faire. En tout cas, c'est pas gênant. Ne vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à pleurer parce que ce n'est pas le cas. Là, je ne ferai pas en vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!